soldats, la lutte militante. C'est nous les reines, nous morceaux. La lutte n'est pas bien facile. Dans les années 30, Maurice Anko est une colonie britannique dans un monde dominé par une tension dans relations internationales. Et 4 bonnes années plus tard, deuxième guerre mondiale éclatée. Dans la colonie Maurice, c'est une période marquée par la douleur, la souffrance, la misère. Dans Caro, dans l'usine, descendant esclaves et coulis trimés pour 2-3 roupies, alors qu'il malheureux a pu faire ravage en pays. Malgré tous efforts depuis visite Mahatma Gandhi en 1901, qui t'a envoyé Manila Docteur en 1907, pouvoir colonial, et que le leader aussi maintenait son exploitation inhumaine des man travailleurs. 1936, le docteur Maurice Curé commence à mobiliser la classe travailleuse et fait un premier meeting le 23 février dans Champ des Mars. Se revendique un représentant travailleur dans le conseil législatif et 3 fers syndicats. Parti travailliste prend naissance à l'eau comme un parti pour défendre travailleur. Anctil, Curé, Pandit Sadeo fait l'étour au pays pour mobiliser la classe travailleuse pour réclamer de meilleures conditions de travail. Août 1937, travaillait des salles locales dans l'établissement Union Flac, patron tiers coup de balle, 10 ans coulés. Le 1er mai 1938, Dr Curé rassemblait 35 000 travailleurs pour la première fois pour célébrer fête du travail dans Champ des Mars. Travailler à travers le pays, lève la tête pour réclamer meilleures conditions de la vie. Témoignage de Madame Lorraine Domingue, petite-fille de Dr Maurice Curie. Mais c'était le peuple était pour lui. Et c'est de là où il y avait tellement de misère, c'est là où il décide de former ce qu'ils appelaient une société de bienfaisance. Une année après qu'il rencontre Anctil. Anctil était retourné d'Angleterre et avait appris que mon père avait fondé un parti, il est venu voir mon père. Et comme en Angleterre, il avait travaillé pour les Trade Unions, c'est tout. Donc à ce moment-là, il est rentré dans le parti avec mon père et donc ils ont été un peu plus en avant. Et c'est de là où il était de dire qu'il fallait absolument que le peuple puisse voter. Pour lui, c'était que le peuple ait le droit de voter et qu'on les aide. Parce qu'à ce moment-là, le peuple n'avait aucun droit. La grève éclatée dans Duc en septembre 1938. Et que pouvoir colonial servit répression, mettre l'état d'urgence, Curé gain house arrest, et qu'Anctil dépoté vers Rodrigue. Petit travailliste à Zénou. Mais travailler, il finit comprend. Sans l'unité, pas pour innocentement. Deuxième guerre mondiale éclatée en 1939, et que situation vit plus difficile dans le pays. Mais pouvoir colonial continue de dépendre juste l'intérêt de l'oligarchie. 1943. Nouveau soulèvement travailleur, et dix ans coulés encore une fois, Anjali, une madame enceinte, perdit la vie dans Bellevue à Rennes. Conscience des classes finit prendre racine dans la classe travaillée. Après la guerre, colonie Maurice gagne une nouvelle constitution. Et tout du monde qui connaît lire et qui écrit une phrase dans n'importe qui neuf langue qui tu peux servir dans le pays, gagne un droit à voter. Électorat sorti 2% population, divine 38%. Mais malheureusement dans la politique, démocratisation man structure amène à ethnicisation, man enjeu avec l'émergence masse politique. Man parti politique servit ethnique politique. Communaliste lève la tête. Suffrage universel, un du monde, un vote, introduit en 1959. Mais déjà la population maurice bien divisée. Une attention communale entre hindous et créoles en 1965. Et bagarre communale éclatée en créole et musulmans en janvier 1968, 3 mois avant l'indépendance. Un pays déchiré par la haine communale, à Zénou, à cause crise économique et sociale, avec Somaz. Les pépines perdent tout espoir. C'est à ce moment crucial de l'histoire de nos pays, qui MMM prend naissance. Une nouvelle génération banzène mauricien lève la tête, pour inventer un vaccin contre le virus communal, pour qu'il nous pays, pas réveillé sa ban événement dramatique comme en 1965 et 1968. Jamais ça en cours. Vinalo, les qui est combat des bandes militants MMM. MMM prend sous la source depuis Club des étudiants en 1968, qui par la suite vit Club des étudiants militants. Un petit groupe étudiant qui se vient et réfléchit sur l'avenir Maurice. Sa priorité, l'unité nationale et développement pays et reconnaissance d'une langue nationale,
créole mauricien. Se descendre au terrain, faire causerie, faire débat, pour mobiliser travailler avec la jeunesse. Mais gouvernement travailliste, servir répression avec la police, CID, perquisition, interdiction de manifestation et arrestation de militants pour essayer de casser les reins à ce groupe jeunesse-là. Maurice qui finit sur l'indépendance, mais tu commandes pied banane dans ce cyclone. Une société fragile. Et l'économie qui est dominée par une ancienne puissance coloniale qui contrôle tout un secteur essentiel. Pour dénoncer sa capitaliste coloniale là, club étudiant militant fait une manifestation au rond-point Saint-Jean en septembre 1969. À l'occasion, visite la princesse Alexandra et son mari, qui tiennent gros actionnaires dans plusieurs établissements de Maurice. La police s'osée, coup de matraque et 18 militants arrêtés. Sa manifestation là, l'acte fondateur des mouvements militants mauriciens. Club étudiant militant vine MMM avec ce ban structure, ce constitution, ce code membre. MMM prend naissance pour remplacer la Ligue des races par la Ligue des classes et reprend flambeau la Ligue post-travailliste de Dr. Curé, Anctil et Pandit Sadio. MMM fait sa priorité vine limiter les peuples maurices. Pour qu'il dise en communal, jamais encore sur la terre Maurice. Et pour tiers mauriciens, depuis sous-développement, et quand même progrès dans le pays. Ce symbole, en l'équerre. Ce couleur, mauve. MMM commence les meetings dans quatre coins Maurice, et lance la gazette. Le militant, le 17 décembre 1969. Il y a eu une déviation. C'est pourquoi il s'est retourné quand vers Béranger. Comme je vous dis, il voyait que Béranger continuait le travail que lui, il avait commencé. C'est la première fois que Béranger se présentait à une élection. Mais après, comme je vous dis, c'est après sa mort que j'ai réalisé qu'il correspondait avec Béranger, parce que j'ai vu des brouillons de lettres, et j'ai vu des reçus de lettres enregistrés à Béranger. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait une grande admiration pour Béranger. Gouvernement post-travailliste avec PMSD viole démocratie. Amende constitution pour renvoyer l'élection générale. Partout que vous êtes passé, ban militant MMM attire la foule par ce langage nouveau, cette analyse politique et économique. Ce ban nouveau l'idée pour amener progrès et développement pour tout du monde et consolider l'unité nationale. MMM engage lui activement dans la lutte syndicale pour défendre ban droit ban travailleur. Et met du but, General Workers Federation, GWF. La flamme, la lutte syndicale reprend. Pareil comme en 1936. Et gagne la grève dans le secteur DT, dans l'usine, dans CEB. Et commence qu'elle ban branche MMM partout dans le pays. Pour bloquer monter MMM, gouvernement, coalition, force, travailliste, PMSD, met l'état d'urgence. Et interdit meeting pour une période de 3 mois, à partir 1er mai 1970. Parti travailliste et PMSD prolonge l'interdiction meeting. MMM décide pour défier sa interdiction là. MMM fait un meeting dans son démence en août. 4000 dimoun présents. Et que la police arrête Paul Béranger pour lui pas capable de causer. La police sert du gaz lacrymogène, matraque et cliché un loup pour disperser sa foule. La police logue Paul Béranger le 19 août. Gouvernement parti travailliste PMSD montre ce vrai visage antidémocratique. Et que faire perquisition, que de bande militants, et que faire arrestation. Le 21 septembre, il y a une élection partielle dans Triolet Pamplemousse. Et quand même mettre candidature David Assomi. Campagne bat plein, avec beaucoup de militants et travailleurs. La veille élection, ban tapé agresse Paul Béranger et ban militant devant municipalité pour lui. Et que je tire coup de balle. La police arrête Paul Béranger et Farid Matar. Et qu'accuse de tentative d'assassinat. Jour élection. Paul Béranger dans prison. Et quand résultat tombé, Dave Virasomi fin remporte 72% vote. Et lui fin bat candidat travailliste pour plus que 5000 voix. Ben sympathisant MMM manifesté dans Rosilek pour lui. Et que la police oblige et libère Paul Béranger. À soi, la police tient coup de balle. Et